Bon, bah, je viens de sortir de radiothérapie, première séance. Définition, un calvaire. Donc, j'ai plus envie d'y retourner. Et voilà, je suis encore vivante, mais bon, je l'expliquerai en détail plus tard, du coup, quand je serai rentrée chez moi. Bon. Du coup, enfin rentrée chez moi, je vais raconter un cauchemar dès la première séance. En fait, déjà, ils m'ont demandé de me déshabiller, de me dire « Allez, mettez-vous un sous-vêtement », alors que j'étais pas du tout un sous-vêtement pour la préparation. Et du coup, j'ai essayé de leur poser des questions sur ce que je voulais savoir, c'est-à-dire tout ce qui était vaccin et tout, mais ils ne pouvaient pas me répondre. Et vu que mon hématologue ne me répond toujours pas, j'ai absolument pas les réponses. Et après, ils m'ont installé la chauve, etc. Donc moi, je suis une personne qui fait des crises d'angoisse dans les scanners, les PET scanners, etc. Même si je suis pas claustro, ce qui est très bizarre. Et donc du coup, quand j'ai revu le machin et qu'ils étaient tous en train de préparer et que j'avais vu le masque juste à côté de moi, j'ai commencé à flipper et à avoir les larmes aux yeux. Je me suis installée et en fait, ils m'avaient pas dit que le masque, il y avait une plaque, j'étais dessus. Ils m'ont mis le masque sur le visage comme ça, les épaules. Et après, ils l'ont accroché à la plaque en fait. Donc c'était ma gorge, elle était hyper serrée comme ça. J'avais le visage aussi hyper serré, mon piercing qui me faisait super mal déjà de base, avec les boutons que j'ai actuellement, génial, ça faisait mal aussi. Et en fait, j'ai commencé à faire une grosse crise d'angoisse et j'étais pas bien quoi. Surtout qu'ils commençaient à me faire le scanner dans la machine et je me sentais oppressée à donf. Et j'ai commencé du coup, pas à convulser, hein, parce que c'est un grand mot, mais à avoir les membres qui bougeaient tout seuls, etc. Du coup, ils m'ont enlevé. Et j'ai pété un câble, j'ai pleuré, j'ai paniqué. Je leur ai dit, mais je les ai suppliés de me faire de la chimio à la place, hein, tellement c'était horrible pour moi. Après, ils m'ont quand même découpé du coup le visage parce que je leur ai demandé, parce que c'était impossible. Ils m'ont fait faire un deuxième scanner pour revérifier si j'étais bien bien positionnée. Et puis après, j'ai eu du coup 10 minutes de traitement. 5 minutes de rayons et je crois que les autres minutes c'était de vérification ou je ne sais quoi. Et ils m'avaient mis de la musique, donc ça c'était cool, ils sont super gentils là-bas. Mais vraiment je me sentais pas bien, j'arrivais pas à respirer à cause de lui machin. Mais je comprends pourquoi les gens ont des problèmes d'œsophage et pour me bouffer après. Voilà. Et en fait les rayons je pensais que c'était à l'intérieur du scanner et pas du tout en fait, c'était au plafond et du coup ça faisait des énormes bruits puisque ça, en fait ça partait de gauche à droite, droite à gauche et c'était pas très agréable à écouter. Du coup j'avais les yeux fermés tout le long et je suis sortie mais j'en pouvais plus en fait, j'étais vraiment pas bien, je me suis barrée direct et ils m'ont donné du coup les rendez-vous des prochains jours, pas du tout régulier. Hein. Il y a un moment, je commence à 8h40, l'autre à 19h10. Heureusement que j'habite à côté du. Enfin, à côté. Enfin, qu'il y a les trams, les bus, etc. À côté de l'hôpital parce que sinon ça aurait été galère. Donc voilà, et j'ai un rendez-vous avec la radiothérapeute vendredi. Tous les vendredis. Et je suis censée finir le 19 juillet, je crois. Voilà, j'espère juste que ça passera rapidement et que je n'aurai pas à faire une semaine de plus parce que j'ai pété un cap sinon. Mais voilà,
J'avais besoin de me plaindre. J'espère juste que, de tout cœur, que demain ça ira mieux. Ça ira mieux avec le temps. Hein. Et voilà. Donc moi ça s'est pas forcément super bien passé. Limite je préférais la chimio. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Voilà. Et je ferai pas forcément une vidéo sur chaque séance, mais peut-être à la fin. Mais là c'était vraiment parce que c'était la première fois de ma vie et voilà. Je vais m'arrêter là. Et voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.